voici le roi, un cheval allemand à découvrir. Donc je vous invite à tout de suite vous rapprocher des tribunes, car la présentation, la deuxième moitié de la présentation a commencé. Alors l'ordre des numéros sera un petit peu chamboulé pour des raisons climatiques évidentes. Il y a eu quelques difficultés sur les routes. En tout cas, le roi est un fils de Monsoon. Ah, Monsoon, le père de Network, bien sûr. Et figurez-vous d'ailleurs que ce roi en course a battu Network. Alors Network, bien sûr, c'est la star de l'obstacle, je dirais même pas française, la star internationale qui a gagné tant gagnant de groupe 1 en Angleterre et qui fait la montre au Ratsercy. Cheval extrêmement convoité tant par les éleveurs que par les acheteurs, britanniques et irlandais. Donc fils de Network, fils de Monsoon, pardon, le père de Network, mais aussi le père de Gentle Way qui fait la montre à 6000 euros cette année au Haras du Tennet. Également père de Axos, qui a été très remarqué la semaine dernière au salon des étalons du Lion d'Angers. Norroy fut un excellent cheval de course, lui-même gagnant du groupe 2 à l'occasion du Grand Surprise à Cravenhurst par Axas, avec l'accent. Deuxième de groupe 1 à l'occasion de Dalmar Price, troisième du Grand Prix de Baden-Baden de Marianne Bard. Marianne Bard qui allait ensuite remporter le prix d'Arc de Triomphe. Marianne Bard était chargé, ou encore plus chargé que Lance Armstrong, donc il était très difficile de le battre évidemment dans ce Grand Prix de Baden-Baden. Il est également, oui ne riez pas, vous le savez tous, il est également terminé troisième du Prize for Europa. Donc beaucoup de mérite que ce Norrois en course, un frère de Noël, mais aussi un frère de Noblio. Les concernés se reconnaîtront. La grand-mère a donné 12 vainqueurs, donc une souche très solide, purement allemande. La grand-mère a donné 12 vainqueurs, et alors je vais vous parler surtout de l'obstacle pour la grand-mère, ce qui est assez peu attendu pour une souche allemande. On sait que les Allemands sont beaucoup plus portés sur le plat, les 2400 mètres, que l'obstacle, qui n'existe quasiment plus d'ailleurs en Allemagne. Mais la grand-mère, dans sa descendance, elle a donné Nobilita, double gagnant de Liston, mais également nouveau roi gagnant du grand steeple chase de Bordeaux, Liston, Nestor, qui a montré son talent lui-même à Auteuil. Donc une production d'obstacles dans la souche maternelle de Norrois, qui a commencé sa carrière d'étalon en Allemagne et qui a donné de bons vainqueurs, malgré il faisait la route à 5000 euros ce Norrois, donc il n'avait pas beaucoup de jument forcément. Il a donné des bons vainqueurs qui portent des noms de stars, tels Gasparo, bien sûr, le héros de Pirates des Caraïbes, mais également Christophe Columbus. Et Eldorado qui a gagné cette année à Pardew Beach, le jour du Grand Velter Pardew Beach. Donc une production déjà confirmée que celle de ce Norrois qui porte donc le numéro 15 et qui fait la montre ici dans l'Allier en 2013.